Bonjour les lutins. Le Père Noël est descendu ce mardi de son nuage pour rejoindre son secrétariat à Libourne. Et il a du pain sur la planche. Répondre aux quelques 1,2 million de lettres qui arrivent toute l'année de 120 pays dans le monde. Ça c'est Mathéi. Père Noël, j'aimerais avoir à Noël un parapluie Pikachu, plusieurs piticoques, le papa des petits, la peluche Pikachu. Il va pas avoir tout ce qu'il demande. On essaie de gâter les enfants au maximum. Vous lisez tout? Bien sûr. Il faut pouvoir répondre à tout le monde. Et c'est pour ça que mes lutins travaillent avec moi. Une soixantaine de lutins et lutines au total. Ils vont se relayer jusqu'à la fermeture du secrétariat le 6 janvier et répondre à toutes les lettres envoyées avant le 20 décembre, à condition de bien indiquer son nom et son adresse. Ça vous touche toutes ces lettres? Oui, bien sûr. Dans la liste des cadeaux, des demandes parfois énigmatiques. Cher Père Noël, je m'appelle Tony et je voudrais un système solaire motorisé. Cela fait 60 ans que le secrétariat du Père Noël existe. Il est né en 1962 grâce à deux postières. Qui étaient très frustrés de voir arriver des courriers de la part des enfants sans aucune réponse, ont pris l'initiative, alors que ce n'était pas autorisé, d'ouvrir les courriers et d'y répondre. Et Françoise Dolto a appris cette information, qu'elle a repris l'initiative, puis elle a commencé à rédiger elle-même les premiers courriers à l'attention des enfants. Il se trouve que son frère, à l'époque, était ministre des PTT, Jacques Mariette. Et l'histoire est née ici à Libourne, où depuis, c'est une institution, tous les courriers nous arrivent. Même si on ne connaît pas l'adresse, il suffit d'indiquer Père Noël sur l'enveloppe. Mais aujourd'hui, les enfants peuvent aussi écrire sur le site du secrétariat du Père Noël. C'est le cas pour 15% du courrier reçu ici.